chaude, ébène. Ébène. Dropsy. Mais c'est parti. Donc, pointé de clic qui a l'air très étrange, ma foi. Putain, mais même moi, l'overlay, il me pique les yeux. Sur mon deuxième écran, je le regarde, je suis... Alors, ça va avec les couleurs du jeu, mais bon. Manque les popcorn. Ah ouais, j'avoue. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a mis le feu au cirque? Ah oui, j'ai l'impression. C'est écrit en russe! What the fuck? Ambiance creepy. Ah, c'est un peu creepy, un peu drôle, un peu what the fuck. C'est spécial. Spécial comme on les aime. Et nous sommes en jeu. Dans mon jeu. Waouh. Oh, ça fait plaisir de jouer en pointé de clic. Alors, on a notre inventaire. Ah oui, ça c'est le menu. D'accord, oui. Ah, pff, y a plus de musique. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, on peut sauvegarder. Oh. Ok. Mais à quoi ça sert? Oula, c'est un peu fort encore. Je vais baisser encore un peu pour moi parce que c'est très très fort. Oula, peut-être pas autant. Vous êtes tous en mode putain, c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que je suis en train de regarder, putain. Oh, la musique tellement bizarre derrière. Oh, c'est quand je marche! C'est le son que j'ai activé dans le menu. Oh, ça va être tellement chiant. Oh, c'est génial. Alors, des dessins, dessins de mon personnage, je suppose, d'un autre clownrice et d'une femme qui vomit du sang. Ah, on peut peut-être faire un truc. Non, j'ai pas l'impression. Ah, on voit une tête de clown dégueulasse dedans. Faut savoir que j'ai une peur panique des clowns, j'aime pas du tout ça. Oh, le jeu de mots que j'ai fait! Sans y penser! J'ai tellement pas fait exprès en plus. Et du coup, j'ai un peu peur de ce jeu quand même. Je fais sous LSD, un peu, ouais. Et des fesses! Ah, c'est drôle ça! Oui. Les proutes, ça a toujours été drôle, hein. Je te défends d'enlever le poète. C'est pas trop fort pour vous, hein? N'hésitez pas à me dire hein, si c'est trop fort. Oh, je peux! Ah, putain, ce poète. Eh, bon, on dirait un moi miniature fantomisé. Ça va être insupportable! J'ai pas bien compris ton jeu de mots, Nao. J'ai dit, j'ai une peur bleue de ça. Clown! Ça! Allez, j'ai pas besoin d'expliquer là! La blague, normalement. Alors, il y a une espèce de statue de chien. Non. D'accord. Oh, on a un chien. C'est un chien ou un cochon? Un chien? Avec un espèce de groin en forme de sourire de clown. Oh, il nous a ramené un truc. Oh, on a plein de trucs. Oh, je contrôle le WAF. Mais c'est génial. Je sais pas ce que je peux faire avec lui, mais...
Regarde la télé. Oui. On peut peut-être contrôler d'autres bonhommes encore. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est trop mignon. Ça m'a fait peur. What? Oh là là. Je les gêne à vous. Ah, mais je vous en prie, écoutez. Je vais convulser en plein stream, mais non. On l'entend arriver au moins, oui. C'est vachement d'épaule quand il marche. Ouais, il est... On dirait une espèce de petit ballon en mousse qui rebondit, en fait. Et oh là là, le gros vibro, là, qu'on a entendu. J'ai passé mon téléphone en silencieux. Voilà. Du coup, on a une commande pour faire un bisou au chien. Il y a eu un espèce de screamer qui n'est pas réapparu. La musique est méga cool. Elle est trop bien. D'accord. Je cache les trucs dans mon froc. Ah, c'est ce que m'a donné le chien, ça. Je peux pas la regarder? Ah, je le vois comme ça. Ok, donc c'est une photo de moi avec un autre clown et une fille qui a les cheveux bleus. Je suppose que c'est une fille. C'est un mec en fait. Ça c'est quoi? On a une carte. Oh bah, ça serait pas le personnage que j'ai vu sur la photo? Je pense que si. Enlève la main de ton froc s'il te plaît, c'est très perturbant. C'est insupportable. Pouette, pouette. Ah bah c'est les dessins qu'on a vu au début. Je vois de vivre du clown. J'ai cru qu'il avait bouffé le chien. Alors je tiens à dire que je joue à Resident Evil 7 pendant que j'ai le stream en arrière. Oh. Plan le poids de poids d'une toute autre dimension au jeu. Oh, tu m'étonnes, c'est énorme. J'ai cru qu'il avait montré son pénis. Oui, j'ai eu un peu peur aussi, ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe, Jérusalem, ouais. C'est un espèce de carse. Oh putain, mais c'est terrifiant. Je comprends pas les gosses, hein, sérieux. Et là, le piano, ouais, c'est la même pièce, en fait. Mais en mode normal, quoi. Oula, le son sature un peu. Et tu me suis, petit chien? Il a bugué devant la télé, on l'a perdu, je crois. C'est insupportable. Je sens que je vais pas le laisser pendant tout le live, quand même. J'arrive pas à appuyer sur les boutons que je veux avec mes gros doigts. Parce que j'ai de grosses mains. En même temps, regardez mes mains, j'ai même pas de mains en fait. Donc c'est l'anniversaire de cette personne qui a les cheveux bleus. Enfin, je suppose. On vient de le fêter ou... Ah non, c'est en préparation, je suppose. C'est quoi ça? Alors, on peut interpréter cet image de différentes façons. Oh là là. La musique est cool. Ouais, des biscuits. Oh, on dirait les trucs avec de la crème dedans, c'est hyper grave, c'est tellement bon. Ok. Bah, il y a tout à regarder. Ah, c'est encore écrit en je sais pas quoi. 001. Ah, c'est des numéros. Alors 001, je suppose que c'est les urgences. Parce qu'il y a la petite croix là. Et les autres. I don't know. Si je me porte en clown chez toi, Zéra, non. S'il vous plaît. Alors, ouh. Ça c'est sympathique aussi. J'ai trouvé une montre à gousset. Ah, oh, je peux pas prendre l'appareil photo? Non. D'accord. On dirait un schéma de robot. Avec le chien. C'est insupportable ce bruit. On est plus crépi que le... What? C'est quoi ça? Mais moi j'ai eu peur. J'ai eu des restes à manger. Ouais.
marrant, ces petites bulles comme ça, sans dialogue. Parce que c'est chiant les dialogues, surtout en anglais. Bon, il veut des gâteaux. Bah tiens, je sais pas si tu le mérites, mais... Bon. C'était quoi ça? Alors c'était à moitié flippant, à moitié mignon. Une bouse séchée? Je sais pas. Le clown, c'est un manchot, c'est ça. Oula! Je m'étouffe. J'ai tout à regarder, même le cul du clown. Pourquoi tu as peur des clowns, Nao? Oh, j'ai vu plusieurs films et ça me fait flipper. Mais même, j'ai jamais aimé les cirques, en fait. Et même là, c'est dérangeant, je trouve que c'est pas... Tu sais, c'est que des trucs disproportionnés et tout. Je vois pas en quoi ça peut faire rire, en fait. C'est pas drôle. C'est juste flippant, c'est tout. Je vais chercher le gâteau dans son slip. Attends, mais il y a des parts que j'avais pas vues. Non, ça va, merci, Intervis. Je veux pas. Je te jure que je le mets dans un coffre et je le regarde jamais sinon. Oh, les chiottes. Magnifique. Oh, avec la musique qui reprend juste après. Génial! Je valide ce rire, mais putain! Oh non, il était parfait! Je vais le récupérer au montage! C'est obligé! Oh mon dieu! Non, je voulais pas le refaire! Non! Oh putain! Oh, il me tient! Bon, alors ça c'est flippant. C'est cool d'ailleurs, ça sympa. Même lui il a eu peur. Ah, c'est génial toutes ces interactions. Ah, vous voyez, il y a vraiment le. Ouais, on est entre. On est vraiment. Il y a le côté humour, le côté creepy, on est entre les deux en mode. Comment ça va se terminer tout ça? Pour le moment, c'est cool, c'est super cool. Ah, c'est pas une pièce ça? Ok. Nouveau son de somme. Eh mais il est trop bien ce rire. Il est trop trop bien. Le rire du clown sous extase, mais tellement. Sous extasie surtout, ouais. Bon, je crois pas qu'il y ait d'autres trucs à récupérer. Sorto. Poit, 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 poit. J'avais regardé ce coffre, hein. Attendez, ça j'ai regardé ou pas? Ah non, j'avais pas vu ça. Alors, les photos d'un couple qui se marie. Ah mais c'est toujours... Ah mais c'est bien une femme. Nous recherchons cette personne en bleu. Alors, et c'est moi au cirque. Enfin, moi, le clown. Avec la personne en bleu. Donc, elle fait partie du cirque. Oh là là, les pièces du puzzle s'assemblent. Du coup, nous pouvons passer. C'est insupportable, ce point de fait. Oh putain, on dirait Martouille. Mais qui a viré un petit peu chelou, quoi. Attends, quoi? Tu m'as dit quoi? Oh, je peux lui faire un câlin? Oui. Oh, mais c'est génial. C'est trop mignon. Eh, c'est l'anniversaire de la fille en bleu. Tu lui as trouvé un cadeau? Eh, c'est tellement facile, sa traduction. Attends, je vais chercher dans mon slip. Quoi? Ouais, attendez, ça va trop vite pour moi. Ok, on me montre où elle est sur la map. Ça va, ça j'ai compris. Ah mais merde, il se casse. Cette musique est tellement géniale. Je sais pas ce qui s'est marqué, mais en tout cas, apparemment, il y a des gens qui m'aiment pas.
On se demande bien pourquoi avec ma gueule. Bon bah, allons nous promener, hein. Ah, le chien. Alors, faut trouver un cadeau. Oui, ça, j'ai trouvé. Enfin, je... Ah, il peut creuser à des endroits. Ok, ok, ok. Ouais, c'est le petit tuto, le jeu m'explique comment on joue. Vas-y, creuse. Ça change dans les heures 10 000, ah bah oui hein. Ah, faut peut-être que je repasse avec le clown. Une chaussette sale. Bah dis donc, c'est génial, mettons-la dans mon slip. Oh, il vient, petit chien. Alors ce jeu, c'est largement mieux que les antéfilms. Y'a qui galochait le cas. C'est vrai que c'est un petit bisou un peu bizarre, mais bon. Oh, on est curieux. Oh, il m'aime. Bah voilà. Bah, il est curieux, il m'aime, alors tout va bien dans ma vie. Ah, y'a plein. Oh, c'est pas lui qui aurait volé les gâteaux pour les planquer dans l'arbre, non? Je vois ça. Ah, si, regardez. Ou alors, c'est par là que tout ça est parti. Peut-être bien. Oh oui, il est là! Trop dégueulasse, là. Ok, il ramène son marmot. Il m'aime pas, lui, hein. Salut! Oh, il en a peur, il en a peur. C'est la fête dans son slip. T'es différent d'un canard. D'un poussin. Je peux pas récupérer les biscuits, c'est foutu. Ce bruit est putain d'insupportable. Alors, un monsieur triste de quoi? C'est quoi cette merde? C'est un poisson, je sais pas quoi, qui a le cœur brisé et du coup qui est triste. Oh bah non. Même le fils du poulet, il est grand. Son slip, c'est fourre-tout, voilà, c'est ça. Prouette, prouette, prouette. Combien de temps on va tenir? Ah. Est-ce qu'il y aura un truc à creuser? Je peux regarder l'heure, mais ça sert pas grand-chose. Il a reniflé, il a reniflé. Pourquoi il a reniflé? Il y a rien. Ah, il y a un espèce de visage sur l'arbre, j'avais pas vu. C'est pour ça qu'il renifle. Mais j'ai pas quoi faire, moi. Fais-lui un câlin. Oh. C'est trop mignon. Par contre, j'ai l'impression... Je sais pas si l'arbre a kiffé, hein. Attendez, je vais refaire dans le doute. T'as aimé ou pas mon câlin? Ok. Ce pouette pouette. Ah, j'en peux plus. Oh la vache. Ok, donc y'a pas que moi qui ai peur des clowns apparemment. Oh, elle est triste. Pourquoi elle est triste? Pourquoi tu pleures? Ma fleur se meurt, je suppose. Du coup je suis triste. Alors, on va l'enlever, on va l'arracher. Ah ouais, il faut que le chien creuse. Vas-y petit chien, déterre la fleur. Ah, on est pas d'accord, je crois. Oh là là. Oh non, un gosse qui pleure, mon dieu. Bon, d'accord, c'est pas ça. Cette musique jazzy est super. Est-ce que le chien, ça m'intéresse, ça? Vous aimez bien, vous, les chiens, non? Ah. Super. Alors, le désir du clown, c'est de faire des câlins à tout le monde. Le désir du chien, c'est de pisser de partout. Comme ça, parfait. Bon, je fouille tout, hein. Ah, je peux le voir. Par contre, attendez, le son... Le son est fort, c'est un truc de fou. Je baisse parce que... M'éclatez un peu. Thank you.
Ah, un clodo. Ah bah il est triste aussi, mais tous les gens sont tristes dans cette ville. Oh, mais il y a des fleurs. Ah bah voilà, on va lui donner ça. Elle sera contente. Pouet Pouet est drôle, mais je trouve qu'il est super bien drôle. Non, bon, on va peut-être l'enlever, parce que même moi, ça me laisse un peu les oreilles. C'était drôle, ça mise une minute, mais voilà. Ah! Du coup, ça fait bizarre, ça manque presque. C'est quoi ce bruit? Ah, mais il y a des gens qui parlent. Attendez, je vais donner tout de suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais sortir, me mettre la main dans mon slip, sortir une rose fraîche, n'est-ce pas? Et offrir à cette petite enfant. Du coup, main in the slipper. Tiens, mon enfant! Une belle petite fleur. Ouais? Elle veut pas une fleur parce qu'en gros, ça va devenir comme ça après, enfin, elle va faner. Et bah vache vite hein. Pouette pouette. Ouais non mais ça va être pénible quand même. Fais de bien. J'adore fumer les joueurs. C'est quoi ces deux gonzesses c'est ça? Oh elle attend le prince charmant qui lui offre des fleurs. Mais tout le monde est triste dans cette ville. Et elle a trop chaud et elle s'ennuie. Et elle fume encore des pétards. Et tout le monde est triste, et c'est super. Ah, oh, mais c'est quoi cette opinion de moi là que vous me connaissiez même pas? Regardez, elle est tout triste! Ah, il y a un truc là. Je le veux! Oh, ce petit bras! Et glou, glou, glou! Il y a la vieille gélatine. Bon, et toi, tu veux bien me parler ou pas? Oh, mignon! Il n'y a plus de cire pour les rendre heureux, peut-être. Peut-être à cause de ça. Je peux pas prendre ce truc? Qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Ah, une autre musique. Il y a une boîte là. Je sais pas quoi en faire. T'as mis le feu au cirque au début, mais on sait pas si c'est le clown qui a mis le feu au cirque. Hein. Mais non, en plus, il a pas mis le feu au cirque parce qu'on savait que le cirque était debout. Donc c'est juste un cauchemar en fait. Alors, si vous êtes mort et que vous voulez renaître, eh ben achetez ça 5 francs, ça fait renaître. Voilà. Est-ce que tu voudrais pas nous faire un petit pipi? Je vois que tu renifles. Merde, oula oula oula. Un petit pipi sur la pancarte? Non. Je sais pas pourquoi il renifle comme ça. Putain, mais il y a plein de chemins, ça a l'air grand. Ça a l'air très très grand. Waouh, temple bouddhiste. Il faut de l'argent. Et une ordonnance. Ouais, mais je joue les drogués, on se chie. Elle est nulle ma vie, putain. Ah, je peux pas les plaindre. Oh, les petites musiques jazzy, oh là là, qu'est-ce qu'on aime ça. Un peu d'idée, une petite fille, tu vois, c'est dans mon slip. J'ai une belle fleur. Tu veux venir renifler ma petite fleur? Pardon. 55 heures de pouette-pouette. Coucou Quentin, je sais même plus si je t'ai dit bonsoir. J'arrive, je plane un peu, excusez-moi. Oh là, mais on peut aller partout. Attendez, il y avait un truc là. Merde. Ah, mais je suis revenu au cirque. Cette musique est trop bien. Et il fait nuit. Ah, mais on avance. Oh, on avance dans le temps, c'est original. Alors, une femme avec des lunettes, elle est morte. Il y a des chances. Je sais pas où on va, mais on y va. Ah, je vais faire un truc. Ah, peut-être le chien. Est-ce que tu veux pisser? Ah ouais, je crois que c'est une bouche d'égout, mais qui a camouflé en fait. Ouais, trop bien.
Et moi aussi, je veux un petit truc comme ça avec ma tête qui fait. Ça serait trop bien. À chaque fois que je me perds ou que je meurs. Toulouse. Quête accomplie. Ça serait trop cool. Putain, mais ça a l'air grand, il y a 15 000 passages. Mais chez les hippies, qu'est-ce qui se passe? Une statue d'un guerrier qui tue un. Ah c'est interdit aux vampires, il y a des gousses d'ail et tout, voilà. Mais je suis mort un vampire moi monsieur. Ah t'es... Quoi, les vampires sont pas acceptés, vu que t'étais du clown, bah ça veut dire que t'es un vampire, donc passe pas. Ah ça alors. Ça tira pas ta fleur. Ah bah vous êtes méchants vous aussi hein. C'est sympa en tout cas, je... ouais, mais pour le moment c'est cool. On se balade, on a encore rien fait, mais. J'aime bien me balader d'abord et après, ouais. Alors il faut pas toucher les plantes comme ça. Et donc on va pas y toucher. Mais ça a l'air méga grand. Faut dire qu'on change de monde à chaque fois en fait. C'est fou. Oh! Bah oui, mais attends, c'est carrément un martien, mec! Il veut des petits gâteaux fourrés et plein de crème, parce que c'est tellement bon! Mais ouais, je les ai déjà donnés. Et pourquoi le chien renifle? C'est un indice? Oh, oh, mais on dirait mon visage, c'est génial! Là où devient taré? Ça, je vais l'attaquer, qu'est-ce que j'ai dit encore? Je te refais la bise, tu veux. Vas-y, on te refait la bise. Tiens, je vais toucher un cactus. Très bonne idée, n'est-ce pas? Ah non, c'est encore un truc où le chien peut pisser. Oui! Yeah! Est-ce qu'on peut faire un câlin au cactus? Oh non, putain, je suis déçue. Merde, ça aurait été tellement drôle. Elle est née comme ça. Faites un montage, c'est elle qui l'a demandé. Oh, franchement, s'il y a quelqu'un qui me fait un montage avec ma tête comme ça, qui apparaît avec un espèce de jingle comme ça, mais... Je sais pas ce que je vous fais, mais je vous fais un truc. Mais ça pue la merde ici. D'accord. Alors il y a plein de trucs à faire. Mais pour nous, on peut pas faire grand chose. Sacre clou de Daniel Barré en fromage. Ah non. Oh là, mais c'est con. Ah ouais, c'est vraiment un truc façon. Il s'appelle Zone 51. Je dis une bêtise. Mais tout le monde est triste, ça suffit. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde soit heureux. Faut souffler dans un truc pour attirer les trucs bizarres. Et après je pourrais vendre des espèces de liquides faits avec leurs semences. Donc je sais pas, j'invente. Et j'aurai plein de sous. Pour récupérer des âmes. What? Que l'air. T'as déjà lu, j'ai dit ça. Oula, alors lui. Oh putain, il part en martien, lui. Je pense qu'on a pas le droit d'aller par là. Ouais. Ok. Est-ce qu'on aurait pas fait le tour de la map? On a fait un bon tour, hein, quand même. D'ailleurs, on peut regarder où on est sur la carte. Ah oui! Eh, ça a l'air mais méga grand, en fait. Quand même, c'est pas mal, hein. Eh, mais on est pas loin de la fille bleue. Apparemment. Ah merde, je suis déçue, je pensais qu'on pouvait essayer de se TP, mais apparemment. La flûte. Donc elle doit être. Ah, mais on a pas eu ces chiens, tantôt. Oui, des toilettes turques. Ah, mais ça va être le même truc que tout à l'heure. Ouais, c'est que c'est déverrouillé. Oh, génial. La musique est trop bien. Ouais, les musiques sont vraiment cool.
nous avait dit à la tombe, mais elle est morte. Et son photo d'anniversaire, c'est la date de sa mort. Oh non, oh non, une lettre, oh non, oh, un cercueil d'animaux, oh non, quelle horreur. Oh, je peux les déterrer si tu veux. Oh ouais, ça va être génial. Ok. Ça marche, Coco. Des gros gros bisous. Passe une bonne soirée, une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Alors, qui est-ce qu'on a ramassé? Il y a rien. Enfin, qu'on fasse quoi? Qu'on enterre un truc? Okay. Allez, il y a une autre fleur. Tu veux pas la prendre? Oh mon nom! Oh bichette! Ça fait piquer! Ah, c'est... ah, mais on va peut-être pouvoir planter celle-là, du coup. Comme ça, elle croira que sa plante est revenue à la vie, comme la publicité qu'on a vue tout à l'heure. C'est elle, non? Je vois qu'il y a des fleurs ici, mais je peux rien faire avec. C'est peut-être là. Oh merde, je crois que l'ami qu'on cherche est morte, en fait. Ah, il faut que je dépose un cadeau ici. Je peux pas piquer ces fleurs. Et je vais déposer quoi? La vieille chaussette que j'ai trouvée? La photo. La photo peut-être, non? Ouais. J'ai l'impression qu'il faut encore que je dépose un truc. Remettons là-bas dans mon slip. Est-ce que tu veux une vieille chaussette? Bah oui, apparemment c'est ça en plus, quoi. Très bien. Ouais. Happy birthday. Oh, mais c'est triste. Il faut retourner au cercle, c'est l'anniversaire. Mais elle est morte, je comprends plus rien. Ah putain, j'ai craché partout. Bon, d'accord. Bah, écoutez, partons. C'est obscur pour le moment, je comprends pas tout. Je sens la fin trop triste. Mais attendez, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Mais essayons de pas y penser pour le moment. Je crois qu'on a fait un bon tour de la map. Ah non, il y a encore des trucs! Oh, les manifestants... Qu'est-ce que c'est que ça, un intestin? C'est pas bien. What? Même lui comprend pas, il fait... Oh, j'ai rien compris. Ou alors il veut que je manifeste, peut-être. Une photo de lui et un truc déchiré. Je comprends pas ton dialecte. Oh, une cassette de Satan. Génial. Clown et Glauque, mais il a l'air tout gentil comme un gros nounours. Ouais, grave. Mais c'est marrant, le décalage qu'il y a entre sa tronche et son attitude et tout. Bon, bah, c'est fermé. Et je viens de tilter qu'il faisait jour. Il fait jour. Ah, mesdames et messieurs, il fait jour. Oh, un gros poulet. J'ai croisé les membres de ta famille tout à l'heure. Ah, un mec recherché, peut-être. 9h11.02.91. Ah, c'est peut-être l'ouverture du magasin. Je suis pas sûr de ce que je dis. Pourquoi t'es triste? Parce que il aime pas les clowns. Mais il m'emmerde. Ah ouais, je vais lui faire un câlin. Vas-y. Tiens, t'aimes pas les clowns? Tu vas m'aimer. Oh, The vent. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. C'est quoi ce bruit? Putain, on dirait...
Oh, à la fin. Oh, j'aurais pas dû donner ces gâteaux à l'autre piaf, là. On dirait trop la sorcière, comment elle s'appelle, dans le voyage de Chihiro, avec son énorme pif comme ça. On dirait trop elle, je sais plus du tout comment elle s'appelle. De quoi? Il y a une fille qui gueule trop fort et à la fin... Bah ouais, j'essaie de tout trouver à manger. Bah oui. C'est quoi ça? Ah, c'est pour passer le temps. Ah non, c'est pas bien. Ah bah non. Pardon, je suis un peu débile sur Slime. Mais il y a encore cette fille aux cheveux bleus, mais qui est-elle? Ah mais on t'a vu toi aussi. Mais en fait l'incendie a vraiment eu lieu. L'incendie a vraiment eu lieu. On me suspecte apparemment d'avoir mis le feu au cirque. Et d'être démoniaque. Yubata. Merci. Et apparemment, oui, il y a toute une famille qui est morte, non? Merci Angel Bayou pour ton follow. D'accord. Putain, en fait, ouais. Mais vu qu'on voit le cirque, c'est dû arriver il y a déjà un an, si c'est l'anniversaire de sa mort, je suppose. On sait pas exactement. C'est quoi ce bruit? Et la femme morte, la deuxième femme morte, à ceux qui font ce bruit-là, tu fais cramer des sous, mais j'aime pas le clown. Mais tu fais perdre des sous, espèce d'enculé, donc je vais m'empêcher. D'accord. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Pardon, faut pas me lancer là-dessus, hein, c'est foutu. Pour une fois que tu te perds pas, grave. Eh, je veux mon single. Qui me fait mon single? S'il vous plaît. Je vous en supplie, je veux un single. Comme le clown et le chien. Pitié. Oh, déguisement de vampire. Putain, mais personne... Personne n'aime les clowns. Il y en a marre. Et... Du coup, la deuxième femme morte... Ah oui, en plus, les fleurs, c'est lui qui les a amenées. On les a vues, ces mêmes fleurs. Donc la deuxième femme morte, c'était sa femme. Oh putain, dernier au clown, what the fuck. Mais allez, toi, je vais faire foutre. Ah, le chien, tu peux pisser ici. Tu peux pisser sur lui aussi, si tu veux. Non. Oh merde, ça aurait été dommage qu'il essaye. Coucou, mon chien. Ah oui, je veux un jingle comme ça. J'en veux un. En fait, tu es en enfer, c'est pour ça que t'as des... Oula, attendez, je disparais. C'est pour ça que t'as des trucs chelous et le clown essaie de se racheter. Je verrais bien un truc comme ça. Peut-être, ouais. Peut-être qu'on est en enfer, ou peut-être qu'on est ouais dans un monde parallèle après la mort, ou peut-être. Pour le moment, voilà, on essaie de rassembler un petit peu les pièces d'indice de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai raconté ? On sait que il y a eu un incendie dans le cirque. On sait pas si c'est moi, mais les gens me suspectent apparemment. C'est pour ça qu'il y a personne qui m'aime. Et on a perdu une de nos amies qui travaillait dans le cirque qui avait les cheveux bleus. Et la femme aussi du monsieur qui tient la boutique de... Waouh, mais il y a tellement de trucs à voir. Truc de fou. La petite histoire psychologique bizarre. Il y a moyen, mais c'est cool. Alors, elle lui pète les oreilles, elle nous saoule. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc ça doit être des sans-abri qui viennent manger. Et elle, là, elle fait chier, la religieuse. Il faut pas fumer, c'est la mort. Bon, là, elle a raison. Hein. Il faut lire la Bible pour avoir des sous, quoi. Oh, le rock, c'est la mort, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Que je te tape dessus? Oh, pas de sandwich pour les clowns! Mais on va la défoncer. Ah oui, il y a des sandwichs! Oh, la connasse! Merde! Ouah! Attendez! Ah! D'accord. Oh, j'ai pas tout compris là. Qu'est-ce que c'est que ça?
peux pas arrêter cette musique à la cour là. Ça marche pas. Ah mais attends, j'ai trouvé une cassette. Vite, là-bas dans mon slip. Ah oui, la cassette. Oh, on va lui mettre du métal. Elle va péter un câble. J'en suis sûr, c'est du métal. Avec un truc, avec un symbole comme ça, c'est obligé. Ça marche pas. Oh merde, on peut pas. Oh putain. Je pensais tellement que c'était ça. Ah mais attends, faut peut-être qu'on est d'ici. Là. Les cassettes. Oui. Un peu vigoureux. Quoi? Vite le sandwich. C'est pas du super métal, mais bon. C'est mieux que rien. Barons-nous! C'est quoi comme chose? C'est un espèce de petit point and click moitié crépi, moitié drôle. Et voilà, on a carrément un clown, il y a eu qui travaille dans un cirque. Une de nos amies est morte apparemment parce que quelqu'un a mis le feu au cirque et tout le monde me soupçonne. Mais est-ce vrai, Bravo? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que je suis déjà allée là? Ah oui, c'est là où il y a le chrono, mais il dort encore. En plus, elle est sympa la zik. La zik pète des culs. Zik le métal satanique. Ouais, c'est ça, ouais. Un jiggle, ça peut se faire, mais pour l'image, on met quoi? Je sais pas, c'est une de... Tu prends un skin de ma gueule, tu détours, et puis une gueule comme ça, en mode... Voilà, quoi. Tu lui fasses ta pause. Oh mon dieu. Non, bah, je sais pas, c'est comme vous voulez. Coucou Full Geek. Attendez, je vais retourner voir. Ce policier. Non, cet accoutrement un petit peu trop serré me fait penser à certaines choses. Bien, pas quoi. Attendez, je vais retourner voir Yababa. Yubaba, pardon. Parce que je peux peut-être lui donner le sandwich que j'ai garché dans mon slip. Le sandwich. Ah oui. Oh, elle m'aime maintenant. Est-ce que je peux lui faire un... Oh oui. Trop mignon. Mais c'est trop chou. Oh mais c'est génial ça. Ouais. Oula. Pas de panique. C'est mes tiroirs. Ah, oh, trop chou. Mais du coup... Ah mais il y a un truc là. Ah. Un truc souris. Est-ce que le chien... Non, il est trop gros le chien, non? Ah, il va manquer... Il va manquer quelque chose. Ah, elle est contente, mais pas à fond, c'est ça? Un striptease? Ah ouais, un peu, ouais. Ça me fait penser aux... aux enterrements de vie de jeune fille ou des trucs comme ça, tu vois. On est encore au début du jeu là, on n'a pas trop avancé pour le moment. Il n'y a pas de soucis. Et du coup, est-ce qu'on peut utiliser ton lit, madame? Oh oui, trop bien! Ah, du coup, on peut choisir quelle heure. D'accord, je suppose qu'en fonction de l'heure, il y a des trucs qui changent. Écoutez, on va se remettre en pleine journée. On va retourner au cirque. Déjà, parce qu'on nous a demandé de retourner au cirque. On va essayer de faire les trucs dans l'ordre. Dans l'ordre. Ouais. Donc notre ami dort toujours. Sandwich saveur pénis. C'est ignoble. Ah. L'été, en fait, qui sont faits exprès, quoi, c'est quand il y a des glaçons dedans, que, voilà, ça, c'est un thé fait exprès pour être plus froid. Il n'y a pas de souci, c'est super bon, mais là, c'était pas prévu comme ça.
Alors, oula, qu'est-ce qu'il veut, lui? Attends, regarde, il pense à des mecs et tout. Mais je peux pas faire de numéro! Faut que je trouve un petit doigt ou un... C'est le dernier. Oh, lui, il est en colère, mais... Ah, il me ziote! Je t'ai à l'œil! Très bien. Ah, il veut mettre les menottes à... Oh mec, j'y mettrais bien les menottes, lui. Ok, alors, si vous êtes malade... Oh putain, mais... Cette pub est horrible! C'est pas un médicament qu'il a mal, là! C'est une putain de bite! Non, désolé, non. Non, mais attendez, un médicament, c'est un tout petit truc comme ça, là, ça va latter leur bouche, c'est horrible! Il y a des putains de boulimiques ou quoi? C'est quoi ça? Ok, donc moi je suis interdit partout et tout faire foutre. Ah, ou alors c'est des sandwichs? Non, je comprends pas. Dans cet établissement, il y a des médecins qui donnent la pilule magique. Ok. Moi aussi, je vais donner ça. Hein. Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Ah, le chien. Le chien veut lui pisser dessus, vas-y. Vas-y. Oh, il a eu peur. Ah, le chien ne peut même pas passer. Ah, on aurait pu essayer de passer un scanner. Le chien, mais... Il veut quand même pas. Okay. Bon. On va craquer. C'est une grosse gélule, je cherche pas dans, c'est bizarre quand même. Un éclair à la fraise, ouais, on dirait un petit peu ça. Un petit peu ça, ouais. Il y a un junkie. Ouais, salut. Alors, donc ça parle d'incendie. Alors, est-ce que je suis un ange ou un démon? C'est la question que je me pose aussi. Est-ce que le fond, on le voit en mode tout mignon, il aide les gens et tout, il est. Voilà, il fait des bisous, mais. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va se passer après? Oh là là! Ça me botte bien. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Oh, personne, mais... Oh, mais on peut aller partout. Lui, il veut un CD. C'est très grand. On a dit qu'on retournait au... On l'a dit, hein? Ouais, bah attendez, je finis d'explorer maintenant que j'ai commencé. Hein. Comme ça, au moins, on sera pas perdu, on saura à peu près où il faut aller et tout. Oh, un nain de jardin dégueulasse! Prends-le! Oh bah non! Ok, des décorations de Noël. C'est Stranger Things en fait ici! Un petit peu! Ah oui, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. Il y a un sushi! Pourquoi il aurait mis le feu? Je pense que c'est pas lui! Peut-être après qu'on veut essayer de nous faire croire que c'est pas lui alors que c'est lui. Enfin, tu vois, il y a peut-être tout un bordel. Est-ce que je peux pas passer? Ah, faut une carte ou un passe. Mais c'est quoi ces espèces de sandwich à la crème dégueulasse? On dirait les Twinkies. Un peu, ça fait penser à ça. J'en ai aucune idée, Quentin, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on ait forcément des choix, mais peut-être qu'il y en aura plus tard. Hein. On dirait des sushis. Pas trop, hein, quand même. La couleur, c'est pas trop ça. Non, on dirait, ouais, mais des Twinkies. Hein. Des Twinkies. Alors. On va essayer de s'organiser parce que je vois qu'il y a plein de personnages à aider, donc c'est-à-dire qu'il y a masse de choses à faire. Maintenant qu'on a fait un bon tour de la map, on va essayer de retourner. Viens parler. Ah oui, là c'est les deux filles. On va repasser par là. Ah, la nuit tombe. Ah, la fille n'est pas là. Attendez. On peut peut-être du coup s'occuper de la plante. Oui. Voilà, on l'a enlevé. On peut mettre du coup une nouvelle et elle va croire qu'elle a revécu. Comme le port salut. Qu'est-ce que je raconte? J'en sais rien.
se plante là. Merde. C'est carrément ça. C'est obligé, c'est ça. Attends, c'est peut-être parce que le chien il mange, je sais pas. C'est obligé que ce soit ça. Ah, voilà. Oui. Ah, parfait, voilà. Du coup, là, on a une belle plante. Elle est jolie. Elle ressemble à Cartman, mais en plus, j'en suis moi à 6 août, donc c'est pas Cartman, quoi. Clairement pas. Alors, les musiques sont top, hein. Ah! Ah non, il est toujours là, il m'aime toujours, bah tout va bien. C'est parfait. Oh! Oh putain, l'énorme canari est revenu, merde! Ah, cette musique est super cool. Oh putain, il a volé son pneu. Il a volé mon pneu! Ok, tout à fait normal. Bon, bah, allons essayer de le récupérer de suite. J'espère que le jeu vous plaît du coup. Écoutez, moi j'aime bien. Je peux voir ce petit gâteau qui est par terre. Oh, c'est un petit enculé. Oh. Ah oui, bon, on a toujours peur de lui. T'es différent la noiseau. On pouvait berner le piaf en volant le déguisement du mec qui est devant la boutique. Parce qu'il a un déguisement de poulet, justement. Mais alors, comment on lui pique son déguisement? J'en ai aucune idée. Oui, il est génial ce jeu. Ah, je suis content de vous l'entendre dire. C'est un gâteau par terre ou un tampon? Non, c'est un gâteau. N'oublie pas d'aller aux toilettes quand tu rentres. Pas de soucis. Est-ce qu'on peut faire autre chose ici ou pas? Ah mais il y a des trucs encore ici. Oh là, il y a des trucs de partout. Ah bah, j'avais parlé trop vite. Il y a une petite tomate. Oh oui. On a appelé la petite tomate. J'aurais bien retrouvé le mec pour lui parler, je pouvais le passer. De vous l'entendre dire, mais parce que vous êtes plusieurs sur ce stream, voyons, au nom de Dieu. Alors. Oh là, les musiques sont cool. Eh, les musiques sont super cool. Ah là, il y a plein de trucs à bouffer. Je sais pas si on peut demander. Est-ce qu'on peut demander à l'écureuil si je lui gobe la bouche, est-ce que tu me donnes tes provisions? Oh, mais c'est trop mignon. Ah, wouhou. Ah ouais, il a un... Ah ouais, en fait, je pense qu'ils ont un pourcentage de contentitude. Tu nous as représenté, Chris. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà! Et du coup, la petite fille est contente! Mais genre, regardez, j'ai l'impression que c'est pas à 100% qu'ils sont contents. Ah, il y a un truc là! Oh non! Je suis trop. Mou du bras! Petite fille, est-ce que je peux te porter pour que tu puisses. Ah, mais la monstre gousset, j'avais pas vu, il y a une photo dedans! Elle appartient au mec! Si j'essaie de lui donner, peut-être qu'il vous fera la paix. T'es contente du coup? Ouais, elle a renécu. Oh, renécu. Ouais, voilà, c'est ce que j'en étais sûr. Elle pense qu'elle a... Elle a ressuscité. C'est génial. C'est trop mignon, le jeu. Il est génial, ce jeu. Pour le moment, franchement, j'adore. Ah, elle est toute seule. Mais non, t'es méchant. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus? J'ai pas l'impression. Est-ce que mon chien peut pisser dessus? Peut-être que si je reviens à une certaine heure, il y aura personne devant la porte et je pourrai passer. Attendez, on va retourner voir le mec pour lui essayer de lui rendre la montre à gousset. Oh! Hey,
je veux du blanc et violette ce soir. En plus, ils ont devant un établissement bizarre, on sait pas ce que c'est. Je sais pas si ça veut dire non, ça. Je peux lui mettre les menottes, Le truc est toujours là. Ah, on est retourné à la journée. Il m'aime toujours pas. Je t'aime pas. Est-ce que je peux trop faire un câlin? Tu vas bien finir par m'aimer au bout d'un moment. C'est ce qu'il fallait faire. Fallait l'emmerder. Ah mais c'est génial. Et du coup on a des clients de poulet. Mais c'est trop simple ce jeu. Alors attendez, on va essayer d'aller parler au mec quand même. Je peux. Je sais que tu es triste. Je veux juste te donner ta montre à pousser. Parce qu'apparemment c'est la tienne. Tiens. Oh mais non mais. Ouais bon, il a pas l'air d'accord du tout. Je suis prêt aux représentations. Le représentant officiel des moignons aux paroles fait foi. Que mon nom soit sanctifié, que volonté soit fesse. Qu'est-ce que j'ai raconté? Il est parti loin, Chris, ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, votre petit Adravis? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais attends, on n'a pas vu ça, si? Ah, si, on avait ramassé la cassette. Alors, essayons de retourner au piaf avec le déguisement. Il y a beaucoup de choses à faire, apparemment. Masse de choses. Bon, on va y arriver. Je suis une putain de pro en pointé de clic. C'est le seul truc dans lequel je suis un peu pro. Normalement, je suis plutôt pas mal en pointé de clic. Ah oui, puis il y a cet arbre-là. Que la volonté de Chris soit fesse. Quoi? Alors, essayons. Mettons ce costume de poulet sur ma gueule. Oh oui! Oh putain, on est dégueulasse. C'est génial! Du coup, il vient me chercher. Oh, ce jeu est génial. Il me fait beaucoup rire. Du coup, le pneu est où? Qu'est-ce qu'ils ont fait du pneu? Moi je le vois pas le pneu qu'ils ont volé. Faut que c'est peut-être pour aller de l'autre côté, non? Ah il est là, je le voyais pas. Oui, on a récupéré le pneu. Par contre comment je fais pour me barrer? Le chien moi. Pisse sur l'arbre. Pisse-moi dessus. Mais... Ah attends, peut-être que si j'enlève mon masque... Non, je peux pas l'enlever. Ah si. Ouais, voilà. Oh, il est gentil, il va me reposer, quoi. Je le professe. Chris, il est parti loin. Yeah, on a récupéré le pneu. Parfait, tout ça, parfait. Pisse-moi dessus. Alors ça, c'est pas sorti tout seul. C'était une envie, comme ça. En tout cas, pour le moment, je m'éclate. Hein. J'espère que ça vous plaît, parce que moi, là, je suis à fond dedans. Puis ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait un bon pointé de clic, quoi. Même si c'est vrai que ça change les pointés de clic que j'ai pu faire, mais c'est super cool. Tiens, ton pneu! J'ai mon pneu! Ah oui. Merci! On va pouvoir lui prendre la moto. Oh, je t'aime. Oh, merci. Quoi? Je me suis... Bon, d'accord. On est tout contents, mais... Oh, on est parti. Quand je vois le flic et le videur, je pense à ça. Allez, je peux pas aller voir Adravis. Allez voir plus tard. Il nous emmène faire un tour, je sais pas où. Ma lettre. Oh non, faut lui trouver des médicaments. Mais il faut une ordonnance et des sous. Je t'ai dit d'ordonnance, dit de sous.
on était tellement content que les gens parlent plus, tellement ils sont concentrés, j'avoue. Enfin, pas dire plus monsieur quand tu seras au resto avec un mec. Oh mon dieu. Oh, je serais bien, enfin, je sais pas si je serais capable, mais je serais capable d'essayer, en tout cas, de le dire. Pendant un moment bien romantique, plus monsieur. Allez, bonjour. Ce monsieur a un problème, non? C'est quoi cette merde? Oh, il est pas content! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est pas content? Attendez, je suis en train de me dire que ça fait grave longtemps que j'ai pas sauvegardé. Avant qu'on ait un souci. Voilà, nous avons sauvegardé. Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit bonhomme? Oh, ça me fait voler mes sous! Il a l'air d'avoir un truc en dessous là, non? Ouah, mais pourquoi il gueule comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'entends la couronne? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte, je comprends rien! Moi, c'est un test pour repérer entre gens bizarres. Oui, ça peut être un signal entre moi et mes abonnés! Pisse-moi dessus! Après, si un jour je tombe pas sur un abonné mais sur un clochard et que je le fais, je suis pas dans la merde. Mais bon. Alors, il y a un rat mutant géant, tout va bien. Je peux lui parler? Ah, il a faim lui aussi, mais tout le monde a faim ici! Est-ce que je peux lui ramener un sandwich? J'ai rien à toi. J'ai une tomate, est-ce que tu veux une petite tomate? Apparemment, ah ouais, il y a un truc derrière lui. Ouh. Ouais, du coup je peux pas y atteindre. Ah mais le gros rat essaye de choper la petite souris qui est là. D'accord. Voilà, faut trouver à manger. On se pisse dessus. Et là le mec le regarde droit dans les yeux et il lui sort, en fait j'allais te demander la même chose. It's a trap. Quoi? Attendez. Si genre je mets la tomate ici, est-ce que ça va attirer? Oh non, merde. Je suis déçu. Il y a plein de trucs, mais on peut rien en faire. D'accord. Il y a une croix ici. Il y a une caméra. Donc il y a le gros roi là que je sais pas ce qu'il veut. Ah le chien. Ouais le chien peut creuser ici. Ah c'est l'espèce de chambre du roi. Ah ouais ça space. Vache. Vas-y creuse. C'est quoi cette espèce de coupelle qu'il y a par terre? Ah c'est une trappe, c'est une trappe. It's a trap. Je l'ai dit tout à l'heure. Oh, il y a un magazine cochon. Il y a une clé surtout. On peut pas prendre de la bouffe pour le rat? Merde, dommage. On a une clé. Le chien peut pisser dans la chambre du roi, et oui. Golden Shower. On est en train de parler de Golden Shower sur mon live, tout va bien quoi. Ça devient glauque ce chat, oui je suis d'accord. Putain, les musiques sont trop bien. C'est quoi? 1, 2, 3. Ok, j'ai descendu le truc. Maintenant, je pense qu'il faut que j'aille à l'étage 3. Ah, c'était pas pour récupérer la caisse que j'avais vue ou je sais pas quoi. Ouais. Alors, là j'ai pas compris à quoi ça servait, je vais même pas le regarder de toute façon. Ça non plus. Ah mais attends, j'ai une clé. Attends.
Oh, il y a un petit cœur ici. Promène-le. Yeah! Ah, mais. Oh, mais il y a plein de sandwichs dégueulasses. Tu peux en prendre plusieurs ou pas? Est-ce que je peux y mettre dans la coupelle du coup ou pas? Oui, c'est ça, c'est pour le faire bouger. Ça me vient. Et j'ai vu une autre coupelle. Est-ce qu'on peut pas en prendre plusieurs? Ah, si. Parce que j'ai vu une autre coupelle vers la chambre du roi. Je suppose qu'on peut attirer le rat beaucoup plus loin. Il y en a une là. Ah, est-ce qu'il va venir d'aussi loin? Je ne sais pas. Ah non, je peux pas la mettre? Ouais, et l'enfoiré, il est retourné là-bas. C'est bizarre qu'il ait fait ça. Ah, attends. Je remets un petit sandwich là. Hop. Là, ouais, pas de soucis, Grata. Ah, je peux pas passer même s'il est là, quoi. Ouais, il y a un chemin à lui faire, je pense. Ah, mais attendez, là, il est pas là, je peux utiliser ça. Fait là. Par contre, j'ai pas d'autre sandwich, alors est-ce que je suis coincé du coup? Parce que maintenant le rat est là. Ok, du coup, je peux pas passer. Merde, le rat me bloque. Est-ce que si je vais là-bas. Voilà, c'est bon, il va retourner à sa passe initiale. On a activé un truc. Qu'est-ce que ça fait du coup? Quoi? Ah merde, on a lâché les trucs qu'on avait. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? J'en ai aucune idée. Oh oui! Alors, j'ai tellement pas fait exprès. On a sauvé la petite souris. Oh, lui faire un bisou. Non, on ne l'a pas gobé, on lui a juste fait un bisou. Si c'est bien, oui. Fury friend. Ah, et du coup, maintenant, on a une petite souris avec nous. Et on peut... Oh, on peut contrôler la petite souris, c'est génial. Trop bien. Cool. Ok. Donc on va pouvoir faire passer la petite souris dans le trou de la grand-mère. Dans le trou de la grand-mère. J'ai tilté l'énorme idée que j'ai dite là. Oh putain. Oh merde. Je regarde juste s'il n'y a pas encore des trucs à regarder avant que je m'en aille. Mais la souris elle peut se glisser dans des trous beaucoup trop petits pour mon chien et moi-même. Dans le trou de la grand-mère. Oh merde, bordel, pourquoi elle dit ça? Eh mais mon pote est parti. Oh là là, mais lui il râle, tout le temps il râle. Ah bah déjà regardez, je pense qu'on peut emmener la petite souris ici. Oui! Et on récupère une autre cassette. Ah, et ça, c'est un truc pour faire de la soupe. C'est une recette. Il faut des tomates. Ça, je sais pas ce que c'est. Et un os. Je crois. Ok. Super. Attendez, je vais reprendre le contrôle du clown quand même. Déconne ou pas? Oh là là, mais il est de plus en plus malade. Je vais aller creuser un trou. Je vais aller creuser ma tombe.
très sinistre quand même. Je lui dis, mais qu'est-ce qui lui arrive aussi là ? Trop de souris dans la nuit. Tomate puissance binaire plus hausse. Aïe 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 aïe, il faut lui trouver des médicaments et vite. Oh, oh merde, il est mort. Ou c'est moins drôle. Oh la musique. Ah c'est la même musique mais qu'ils ont grave ralenti, tu vois. Ok, donc il va falloir vite trouver un remède. Ouais ouais, il faut des médicaments. Mais ah là là, il va me falloir plein de trucs. Mais on va trouver des médicaments, ne t'en fais pas. Est-ce que... C'est quoi ces trucs par terre? Mais d'abord, allons voir le trou de grand-mère. Et je peux peut-être utiliser la moto. Attendez, j'ai envie d'essayer. Ah, j'étais jamais passé par là encore, si. Oh, dommage, je peux pas utiliser la moto moi-même. Ça aurait été un bon moyen pour aller plus vite. Nous sommes 17, c'est plutôt pas mal du tout. Merci beaucoup, mes petits moignons d'amour. J'espère que vous passez un bon début de week-end. Oh, il y a une femme mystérieuse. Une blonde. Qui rêve de chaises. Je veux plein de chaises au poser mon derrière, donc je suis fou. Trois petits points. Bah, elle dit pas qu'elle nous aime pas, juste elle nous snob, elle nous ignore. De loin comme ça on dirait une drag queen avec son équipage. Je dis ça, je dis rien. Bon, je veux des chaises. Attendez, j'ai pas vu un truc sur le côté là. Ah mais ça ils sont revenus. Oh là, il fait trop chaud l'aube la nuit. Ah, il y a le mendiant. Est-ce que t'as des sous? Bah non. Désolé. Grand-mère. Voir le trou de grand-mère, voyons. Ok. Ici. Vas-y, petite souris. Oui. Ah, alors. Peut-être des médicaments. Ça appartient à la femme qui gueule, c'est ça? Ah, mais on voit sa tête, j'avais pas vu. Trop mignon. Ça se prend pas. Ah non, mais c'est elle qui rêve encore de la femme qui gueule, d'accord, très bien. Alors, on a récupéré quoi là? Un bracelet où il y a des croix de Jésus. Ah, si, c'est peut-être bien elle, du coup. C'est peut-être elle-même la grand-mère qui lui avait volé. Peut-être essayer de lui rendre. Mais c'est la nuit, donc je suppose qu'elle est pas là. On a que deux personnes en moins, comment ça? Marou, les virus, marou. Ok. Ce petit jazz. Alors, on a fait une petite sieste à la clocharde, c'est magnifique. Ça fait combien de temps que je stream? Je suis en train de me dire si je mets la rediff sur YouTube. J'hésite à la mettre parce que je sais pas si ça intéressera les gens. Mais j'aurais peut-être dû y couper en petits morceaux parce que là ça va être chiant. Trop tard. Bon. Ah mais ça doit être forcément son bracelet. Non? Tiens, je te rends ton bracelet. Ouais. Viens, mais tiens, mais... Ah, mais elle a jeté la cassette. Oh, la connasse. Oh, mais il y a un truc que j'avais pas vu ici. Ah, bah,
Enfin, une combinaison. Non, mais attendez, je suis bête. Peut-être que ça appartient à ma grand-mère, tout simplement. Ça fait environ 1h15. Ok. Tu m'étais, écoute, chat. De toute façon, on va pas tarder à faire une petite pause. J'en profiterai pour couler les cordes à ce moment-là. Et du coup, là, c'est une cassette qui est en dessous. Grand-mère, attendez, retourne vers grand-mère. Parce que tout du coup, c'est juste son bracelet, tout simplement. Oh, mais y'a un truc là! Re-Quentin! Avec les petites têtes! Ah, on peut appeler le 12-25-91, je suppose. Mais je crois que ouais, c'est genre 5 pièces. C'est payant cette cochonnerie! Mets l'autre cassette dans le lecteur. J'en ai qu'une de cassette temps. Ah non, je savais que j'en ai ramassé une. Attends, d'abord on va essayer de donner ça à la grand-mère. Est-ce que tu veux ton bracelet, grand-mère? Oui, je t'aime. Mais bon, ici, est-ce que c'est ton bracelet, Yubaba? Bon, elle a l'air de s'en battre les couilles, donc je pense pas que ce soit ça. Ouais, elle dit juste que la femme qui gueule, elle lui casse les pieds. Alors, on va essayer de mettre l'autre cassette dans le lecteur, ouais. Pas un truc, ça t'aille venir rien. Hein. Alors, ça la déconcentre pareil. Mais on peut pas faire grand chose de plus. Hein. On peut même pas parler aux gens. Ils sont tristes tous les deux d'ailleurs. Parce qu'elle, elle leur casse les pieds. Est-ce que maintenant je peux lui donner le bracelet peut-être? Je vois pas ce que ça fait. Hein. Ah, je peux m'asseoir! Merde, j'arrive plus à me relever! Oh, lève-toi, nom de Dieu! Je vais ici, bonne soirée, pas de soucis, Justine, les gros bazos! Ah, tiens, pendant que Justine fait une pause, on va faire une rapide pause aussi. Pour ceux qui regardent la Rediff Live sur YouTube, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de ce live sur Dropsy.